Bonjour, chers amis internautes d'ActuVision. Moi, le docteur Oumar Konaté, médecin généraliste, directeur donc de la clinique médicale Cœur Marie. Tay nak dama ñew pour ñu waxtaan touti ci ben fièvre. Fièvre bi nak surtout ndaw yi lay dal. Donc c'est une maladie virale, fièvre bo xamné ben virus mom mo kay andi comme Covid. Té so leen ma dégloué di ngeen am impression que signe Covid yépp mi ngi ci fièvre bobu. Wante na yaay yi dal sen xel fièvre bobu ñu kay wax donc rougeole. Donc comme nim leen ko waxé ci début bi ni rougeole fièvre bo xamné c'est provoqué par un virus. Légui virus bi donc sou laalé xalé bi donc day am ay liñ wax ay manifestation yi, c'est-à-dire ni nga xamné lool nga ni fétlu ci xalé bi dinañu gis nek né xalé bi dina ñëw commencer di sekhut hein loolu moy premier signe bi ci kaw sekhut bobu dinañu gis nek né dina am ay éruption cutanée, c'est-à-dire ay taches donc ci derbi. Donc taches ci apparaît da fay évoluer en général en 5 jours. Premier jour bi dañuy gis nek taches da fay apparaître donc ci cuir chevelure bi ak ni derrière les oreilles. Deuxième jour bi taches ay petit donc mën na apparaître ci kanam bi. Troisième jour bi mu jël bat bi jël partie supérieure ou cou bi thorax bi. Et puis quatrième jour ak cinquième jour dañuy gis ne que donc petit laal lañu deun bi laal bir bi donc wacc donc si tanki donc si commencer day commencer si kaw donc di wacc sous lolu sax en général bu fekke am nañu mak bo xamne dafa nek si kër gi mak yi en général dañ kay gawa détecter donc lolu lañuy wax ngas di nga dégg mak bi mu nek ah attention sa dom bi dafa ngas. Donc suñu leen andilé dañuy na ah dañuy andil ben xalé mais xalé bi dafa ngass. Donc suñu xolé ñu confirmer que effectivement rougeole la et puis ñu tek traitement yi. Dama bëggon tamit dalal sen xel touti parce que fièvre bo xamné yag na fi bon duma wax nak ne dañ koy fajj parce que amul traitement bo xamné c'est spécifique mais bu fekké ñëw na fièvre bi amna ce qu'on appelle une vaccination hein bala mi ñëw donc bokk na ci li ñuy wax programme élargi de vaccination lolu tax mom motax ba xétu fièvre yu mel nonu donc dañu xawa donc reculer xala fet xétu fièvre yu mel non dañu xaw reculer yana donc beaucoup moins par rapport à que il y a quelques dizaines donc d'années donc toujours donc si évolution bi puis évoluer soit de fait évoluer favorablement ou de façon défavorable. Évolution favorable oui, c'est dans plus de 95% donc des cas. En ce moment là fièvre bi day wacc xalé bi sekhat bi day wagneku yaram bi tang bi wagneku et puis li nga xamné mom moy picci da fay commencer di toj di wow ben par ben jogé cette fois-ci sous souf hein jogé ci tanki donc dem ci kaw lool lañuy wax la desquamation donc desquamation day jël sens inverse apparition lésion cutanée donc desquamation yi sous souf lay jogé di jëm ci kaw attention dama bëggoon touti attirer sen attention parce que
tamit dum len wax ne kané fièvre bo xamné c'est pas trop grave nit ñi jot xalé yu mel nonu à la maison téyé len fofu nan bon docteur Fanaté mom mo wax ne kané fièvre bi grawul et en ce moment là ñu téyé xalé bi affaire bi andi len yenen jafé jafé dans 5% des cas mon évolué vers des formes qui sont graves et lolu c'est surtout si yenn xalé yi nga xamné dañuy am ce qu'on appelle une comorbidité moy xalé yi les malnutri yi nga xamné dañuy am problème lek ak yu démé non sen lek démé wul nonu yenn xalé yi les diabétiques xalé bébé diabétique yi wala xalé diabétique yi facilement forme grave yi mun apparaître wala ñi nga xamné day am xalé yi nga xamné dañu am sida ñoñu forme grave donc mun apparaître et quand ça apparaît mun évoluer favorablement vers le décès donc du sujet lool motax comme on dit mieux vaut prévenir que guérir bu féké xalé bi tollu na ci tollu ci ñaq bi nañ ko andi donc ñu ñaq ko wala yobbu ko ci structure yi pour ñu ñaq ko amna ñaq bi et mi ngi ci Sénégal bi yépp donc dans toutes les structures hospitalières du Sénégal fo dugg mën nga ñaq sa dom bu féké xal bi dafa fièvre ben fièvre bo xamné c'est pas trop grave andi ko tamit chez les professionnels de santé pour ñu topatol lako bu gaaw jox ko garab yo xamné dina ko gaaw dimbali pour fièvre bi gëna gaaw dañ ci mom bala l'apparition donc des formes graves. Donc je termine cette vidéo, cette émission. Donc di ñaxat encore askan bi parce que je vous ai dit ça fait partie ci maladie yenn maladie virale comme covid bi ak yu démé nonu donc par rapport à cette maladie par rapport ak ay covid ak démé nonu ñu ñaanat ñaxat ak askan bi ñu dalal sen xel et puis mesure barrière yi nga xamné ñu ngi kay déglé nit ñi nañ ko jéma respecté et puis nit ñi tamit nañu jéma dalal sen xel par rapport ak covid bi et ñu jéma responsable également et pour donc ñu gëna gaawa mën fi joggé jëlé mbass bi maa ngi terminé cette émission également di remercier samay partenaire les caméramans, les techniciens et surtout le directeur d'Activision, M. Lamine Fall. Émission Aminak, dam kay tay jaglel sama ñenti sœur, je les appelle les quatre mousquetaires. Donc Esther, Joséphine, Aïde Binette donc ma ngi len di nuyu ak seni ay borom keur et di len jox dik dajé à la prochaine merci beaucoup.